Hey yop les gens, j'espère que vous allez bien, sur aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Raison Crève. Dans le fond, un épisode un peu relax, construction aujourd'hui. Et puis on va terminer notre base, dans le fond, la couche anti-usebug que je vous avais parlé. So, en gros, ça va être ça comme ça. Si on peut dire couche anti-usebug, bah si c'est le bon terme à utiliser. Je vais prendre le psy à black, parce que bah les couilles, hein. Je lui remettrai plus tard. De toute façon, je sais pas à quoi ça va lui servir. Vu que... j'arrivais pas à la faire bouger en haut, en bas. Fait que voilà. J'espère que ça va fonctionner. On va avoir assez de psy et tout et tout. So, on va juste faire la première couche ici en jumpant parce que voilà, c'est la plus chiante. Puis après ça, on pourra jouer tranquillement sans se faire chier. Oh, là, il y a deux blocs. Ça, c'est con. Ok, tac, 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 et tac, et tac, et tac, et tac. Ah, shit, ah, shit, voilà. Et là, on peut casser ceux-là. Fait qu'en gros, les amis. Je voulais vous. J'ai fait cette vidéo-là pour vous montrer la base, l'avancement, où est-ce que c'est rendu, etc. Parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent à chaque fois et tout. Et puis, est-ce que ta base n'est pas. Tes coffres sont pillables, etc. Les gars, il y a des gars qui ont trouvé la base, ils ont même pas été capables de piller les coffres, même pas capables d'entrer. So, bonne chance, hein. Vous avez beau toujours parler, dire ouais, mais c'est easy, c'est easy. Bah, viens le faire si c'est easy. Essaye de la trouver et fais-le. T'sais, arrête de parler derrière ton PC, puis agis, quoi, je sais pas. Après voilà, c'est mon opinion, mais voilà. Ensuite, on va juste regarder pour avoir du bois, plus de la stone là-dedans. Je pense qu'il faudra aller en acheter au spawn, comme d'hab. Parce que c'est très la pauvreté en moi, si on peut en faire de la stone. Ah. Un cube d'obsidienne. De la stone encore. Ah, je pensais que c'était des blocs de fer. Mais au pire, on peut prendre ça, mais bon. C'est pas trop cool, ça aussi, même chose. Des potions. Juste toutes les coffres à merde dans le fond. Des trucs qu'on s'en fout un peu. Ah, c'est ça que je voulais. Ça, ça. Ok. Et là, il devrait. Hop là, c'était là. Voilà. Fait que la base, en gros, les amis. On a les trucs de canne à sucre et verrues du Nether. Ici, en mode OKLM. On les récolte presque jamais, pour être honnête. Il y a plusieurs étages. Ensuite, ici, on a les coffres, genre. Toutes les trucs de merde en gros, genre les trucs à fusionner et tout. Je sais pas pourquoi. What? Il y avait un P4. C'est inefficace. Fait qu'ici vous avez dans le fond le spawner à Piggy. On change de spawner en Piggy et là on a la farm à Golem. Ici on a les PNJ cheat. Ben cheat. Ils sont pas vraiment nécessairement cheat, mais c'est les bons PNJ qui nous rapportent quand même vachement de bons stuff pour être plus rapide. Parce que dernièrement il y a eu un kill all, so, tous nos PNJ sont morts, là c'est le touch et tout, so, okay. Ah, mais regardez quand même celle-là. Celle-là c'est quand même bon en break 2 c'est le touch. Lui c'est quoi qu'il dit? Looting 1, c'est pas si mal. Et puis normalement je crois que il en reste quelques-uns ici. Il y a genre lui qui est quand même pas si mal en break 1. Il y a lui qui est quand même pas si mal, c'est le touch. Après il y en a plein d'autres. Enfin bon. Et puis ensuite il y a quoi d'autre? Il y a quoi? Il y a qui d'autre? Il y a quoi? Oui, les machines à popo qui ont été construites par Animoj, je vous invite à aller voir sa vidéo. So, bon, il y a des petits fails parfois comme ça, mais normalement, en général, la machine elle fail pas. Ça c'était au début, vous pouvez voir dans les premiers coffres. Mais après ça, il y en a plus trop des trucs comme ça. Je vais vous montrer. Regardez, il y en a un fail là, mais après ça, c'est vraiment des trucs normaux. So, même chose pour les speed. Les coffres full de speed. Même chose pour les forces. Faudra juste reconstruire, c'est des forces 2 je crois, ouais. Faudra juste reconstruire une machine pour faire des de slowness à skip. Mais enfin bon, ils veulent faire des slowness, moi je trouve que ça sert un peu à rien, mais User joined à ce the qui channel. paraît, oui. Sound So, muted. voilà. Et puis, j'ai coupé mon micro, bah les couilles. Et puis en gros, c'est ça. So, en général, on va faire ça. Il y a le gars qui s'appelle, comment il voulait être recruté? Ah, il est gentil, Isaac. Je l'ai easy au PvP. J'ai trouvé un fucking bon serveur allemand PvP, les gars. C'est vraiment du PvP vraiment fluide. Et puis vraiment drôle, en gros. Il y a vraiment plein de types de PvP. Je vais faire une vidéo très bientôt dessus. So, en gros, je vais vous montrer. Comme ça. Ok, en gros, on va faire ça ici. 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 Voilà. Et il faudra aller acheter du bois au spawn, j'ai l'impression. Ouais, on n'aura pas le choix. On n'a pas vraiment assez de bois pour finir. So, je vais acheter du bois. Le gars il a cru que j'allais le promote, lol. Ok, tac tac. Oh shit, je l'ai pas. Ok, je l'ai pas eu, je l'ai pas pris, je l'ai pas pris. Easy. Bon, on va prendre ça deux fois. Slash back.
Tac. Voilà. Tac. Comme ça, voilà. Et il y a maintenant Adrien qui va sûrement nous rejoindre dans le home, les amis. Ça risque d'être assez fucked up. Un fils de pute en plus. Ça risque d'être assez drôle. Je pense. Voilà. Je voulais juste terminer les murs, les trucs ici d'une façon différente. Genre comme ça. Puis ici, genre vu que c'est le swag, on pourrait peut-être, je bien dit peut-être, incarner des trucs comme ça pour que ça fasse exactement ça. Oh non, non, non! Ah, oh, comme ça. Voilà. Voilà. Si on peut voir qu'il y a des bibliothèques et tout, ça dérange pas, ça fait pas grand-chose. C'est pas vraiment esthétique, mais bon, on s'en fout. Ici, ben, bien entendu, il faut refaire le truc. So, en gros, là, ça va être la nouvelle fin. Il nous manque juste un peu de temple d'enchante. Puis, j'ai pas trop l'argent en ce moment. J'ai 8 000, je pourrais en acheter seulement quelques-unes. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas vraiment besoin du reste. So, on va vraiment faire ça comme ça. Il faut que j'achète une table de craft. Pas de table de craft. On n'a pas la commande slash craft. Ah, j'ai du bois. Comme ça. La commande slash craft serait vraiment utile dans ce genre de situation. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup en plus. Parce qu'en gros, la moitié du temps, on a toujours besoin de craft. Puis faut toujours aller chercher du bois, etc. Ça serait moins chaud si on aurait déjà du bois d'installer dans le fond, qu'on pourrait déjà faire le slash craft en gros. Je me parle dans ce que je dis. Voilà, les amis, je sais que ce let's play là vous fait plaisir. C'est pour ça que j'essaie de vous proposer le plus d'épisodes possible. On est bientôt au, si je dis pas de bêtises, 61, 72 autour de cet épisode là. Je dois faire plein de montage de d'autres épisodes. Puis garder le meilleur, bien entendu, les amis. Mais normalement, on doit être quand même rendu proche du 61, 62, comme j'ai dit. Fait que c'est quand même vachement bien. Si on regarde, il n'y a pas beaucoup de YouTubers qui sont capables de tenir des séries comme ça. J'ai quand même tenu Iceward et puis Horizon à 50. Ça fait 100 épisodes. J'ai près de 200 épisodes de Faction sur ma chaîne YouTube. Je peux me considérer comme quelqu'un d'assez. Pas réputé, je dirais, parce que la réputation, c'est. Je m'en fous un peu parce qu'il y en a qui disent que je suis un noob, il y en a d'autres qui disent que non, tu sais. Ça, c'est pas vraiment important, mais je suis quand même quelqu'un qui connaît bien le faction. Genre, dans le sens que, je m'explique en disant ça, je connais pas mal de techniques de pillage, etc. Au cours des 2 dernières années, j'ai appris à jouer, j'ai appris à tout et tout et tout, à tout faire. Et puis, vous allez voir bientôt, je vais retourner sur le premier serveur parce que j'ai commencé à jouer. Ben, je vais pas y retourner, je vais juste faire une review du serveur pour les aider. Mais vous allez voir le serveur où ce que j'ai commencer à jouer, où ce que toute la Icons Adventure a commencé. So, en gros, on va juste enlever les torches ici, parce que voilà, bah les couilles, ça sert à rien. Et puis, on va essayer de. What? Mais what? Voilà, voilà, et voilà. On va essayer de poser un bloc en sautant, on va se heal, voilà, Reaper heal en même temps, vous avez vu ça. C'est que c'est swag. Voilà. So, ça c'est fait. So, maintenant on a le toit en obsidienne qui est terminé. On a les spawners en face qui sont terminés. So, le premier étage est plutôt terminé. Si je devrais dire l'étage qui est le plus terminé, je dirais que c'est celle-ci. Ben, l'étage, il y en a juste deux, mais l'étage est vraiment bien fait. Bien, accommodé, etc. Je la trouve vraiment belle. So, maintenant je vais faire un design dans ce mur-là parce que vous me connaissez. J'aime pas quand c'est trop plate. So, on va faire ça. Ça, on va faire ça, et on va faire ça. On va faire du côté cross-côté. On va y aller ensuite avec des demi-dalles, et on va terminer avec des escaliers, comme ça. So, en gros, ça donne un petit design dans le mur, exactement, et puis ensuite, on va y aller avec. Ah non, on peut pas. Bon, on va laisser un trou comme ça, je crois que ça peut être chill. Ouais, comme ça, on va faire ça comme ça, comme ça, regardez. Ah ouais, là c'est beau gosse les gars. Je vous le cacherai pas, là je trouve ça vraiment beau. Là ça fait quand même un petit style, non? Dites-moi ce que vous en pensez. Au pire on pourra changer au cours des épisodes, mais bon. J'aimerais vraiment que vous me disiez qu'est-ce que vous en pensez. Je vais refaire le plancher ici. Pour qu'on puisse voir que comme quoi que c'est de la clé. Voilà, il me reste un obsidienne que je vais redonner à Blackbird parce que. Oh, voilà. Parce que c'est quand même à lui. Que j'avais pris l'obsidienne, je vais lui redonner. J'ai pris environ un stack, so je vais juste lui refaire deux kitmites, puis ça va être le tour où va être joué. So, ensuite, ouais, bah, je crois que c'est ça. Hein. Tout est fait. Qu'est-ce qu'il nous manque à faire ici? Rajouter des spawners, mais bon, je vais rajouter trois spawners. Je vais aller chercher dans mon ender chest.
Faudrait vraiment installer des trucs ici, genre table de craft, under chest en haut, parce que ça commence à être fatigant. So, je vais installer 3 spawners ici, les amis. C'est un abonné qui me les a donnés. Vous allez pouvoir l'avoir dans un épisode cadeau qui va sortir très bientôt. Du moins, j'espère. Fait que là, maintenant, je dois juste y aller en mode YOLO. So, je vais mettre les trucs là. Puis, je vais y aller en mode YOLO. Comme ça. So, en gros, ouais, là je suis bien placé. Je vais envoyer celui-là là et celui-là là. Voilà. Et là on va les changer en spawner Iron Golem. Hop là, Golem. Iron Golem. Et puis là on est rendu avec une base de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 spawners environ. Ça, c'est quand même pas si mal. Parce que là-bas, en fait, il est pas complet. Fait que je peux pas dire 14. Voilà. Ensuite, je vais aller chercher de la vitre comme ça pour réparer ce que j'ai fait comme merde. Ah, mais attends. Avec les demi-dalles, on peut pas passer. So, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais mettre des demi-dalles de bois et de ça. Et ouais, c'est ce qu'on va faire en plus. On va mettre la table de craft ici. On va faire quelques demi-dalles. Voilà. Faut pas casser avec ça. Parce que si on casse avec la FK quelque chose, ça va pas casser trop vite. Puis ben, ça fait que ça lag. So, en gros, on va mettre du truc comme ça partout. Premièrement, de 1, ça se loot. Puis deuxièmement, ben, pas besoin de tout le temps casser et reprendre. En plus, ça va pas s'attacher à notre anti-AFK. Alors, on va être légitimement bien fait, bien posé et tout. Et voilà. Plus que quelques-uns, pardonnez-moi de cette lenteur. Les amis. Et voilà. So, maintenant, on va juste y aller en posant des demi-dalles un peu comme ça, en mode YOLO. Et voilà. Et puis, on peut pas y aller, mais on peut toujours accéder au spawner. So, ça, je trouve ça que c'est quand je trouve ça vraiment swag. Ensuite, si on fait un plancher ici, ça va être trop haut. Bon, on va rien faire là. On va laisser l'anti-AFK normal. En mode on s'en fout. Comme ça. On va juste le rendre un petit peu plus swag. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Oh, celui-là, je l'ai inversé. Comme ça. Voilà. Ensuite, on va poser une dalle là. Une dalle là. Une dalle là. Une dalle là. Comme ça. Et puis. Ah non, même pas, regarde. On va les poser des dalles de. Comme ça. Oh, trop basse. Voilà, comme ça. Voilà les copains. Comme ça, on a notre pot anti-AFK, on a tout qui est bien fait sur cet étage-là. Comme je vous l'ai dit, il manque juste à avoir les tables d'enchant. So, si vous avez les tables d'enchant, ben, ça me ferait méga plaisir que vous m'en passiez, les amis. Pour être honnête, table d'enchant et under chest, c'est vraiment les trucs qu'on a de besoin pour le moment. Sur ça, j'en ai rien à chier. Ça fait pas ça là. Et puis là, vous voyez, on va tout placer. Le vite fait, le stuff qu'on a en bas, c'est P3, en haut, c'est P4. So, en gros. Des pioches, les casques, on en a quand même quelques-uns de P4. On n'est pas les plus riches du serveur, les amis. Moi, personnellement, je joue jamais. Je dois vraiment vous l'avouer, les amis. Je joue presque quasiment jamais. Alors, ça serait vraiment pas le bon truc pour dire, genre, ouais, ben bref, hier. Ouais, bref, j'ai des doubles coffres de P4 et tout. Non, 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 les gars, je joue vraiment pour m'amuser. Je me connecte genre une fois par semaine, deux fois par semaine. Deux fois par jour, peut-être juste pour vite fait venir voir. Puis encore là, je suis presque plus jamais sur le PC. Je fais juste jouer à CSGO si je suis sur le PC. Fait que voilà, ça sert un peu à rien. Moi, je dis de passer son temps sur le PC. Les amis, sortez, profitez de la vie. Du jour au lendemain, vous pouvez perdre les proches, etc. Vous devez passer du temps avec les gens que vous aimez réellement, pas genre juste sur un jeu vidéo. Enfin bon, je me comprends dans ce que je dis. Et puis, si ça vous a choqué, je m'en fous, les amis, personnellement. Ça me dérange pas trop. Que ça vous ait choqué, c'est justement c'est ce que je voulais que vous réfléchissiez un peu. Fait que voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ben qu'est-ce qu'on prépare pour la base, les amis? C'est pas mal tout. Le prochain épisode, je vais essayer d'aller PVP. Ben bon, vous connaissez mon niveau, ça va pas durer longtemps, longtemps, je pense. Après, j'ai quand même pas mal de pump cheats, on va voir dans mon honor chest vite fait. Je pense que ouais, j'en ai quand même 51, so je peux quand même en amener 2-3 pour être capable de survivre. Les œufs de creep, ça passe. Les œufs de l'enders pour faire des under chests. Et puis les Nether Stars, ben ça j'en ai un peu rien à foutre, mais bon. Oh oui, j'ai cette putain de hache là que je pourrais utiliser, mais bon. Non. Ça, on va enlever ça de là.
Les pioches maîtres, on va l'enlever celle-là. Ça, par exemple, c'est une pioche vraiment cheat. Je vais la garder, elle est bien badass. Je vais aller poser les tables. Ça, je vais la mettre dans un coffre en haut aussi. Et puis, une épée. Et ben, les trois épées. On va mettre un autre dernier P4 là, qu'on va se crafter. Aucun abonné va nous le donner parce que maintenant, j'accepte tous les cadeaux dans le fond. Ben, j'ai accepté déjà, mais tous les cadeaux, ben, je les mets dans des dans mon endo chest le plus longtemps possible. Puis après, quand j'en ai plus place, ben, je les mets dans mon coffre privé qui devrait être celui-ci. SpongeBob. Normalement, ça c'est mon coffre, mais bon. Vu la richesse de ma richesse, ben, y a pas de tabac, genre. D'accord. So, on va mettre les pioches là. So, deux pioches. Et puis, on va mettre une épée troll en mode bas les couilles. C'est où les épées? Juste en bas. C'est où les épées? Ah ouais, les épées c'est au bout. Qu'est-ce que je fais là? Il me reste une pioche maître à placer. Voilà. Et puis voilà, bah c'est pas mal ça les amis pour aujourd'hui. J'espère. On va juste voir s'ils sont riches, eux. Qu'est-ce qu'ils ont comme truc dans leur coffre? Blackbird a quand même pas mal de livres enchantes, pas mal d'outils. Black, comme je l'ai dit, pas mal d'obsidienne. Chloé, ça c'est qui? Oh dame, quand même pas mal de trucs aussi. Même chose, des arc cheats. Des trucs comme ça. En bas, c'est quoi? Oh, l'obsidienne. Recep, c'est quoi qu'il y a? Pas grand-chose. Ouais, 2P4 avec un livre. Ici, So Sweet, qu'est-ce qu'il y a là? Pas grand-chose, j'imagine aussi. 36 œufs de cuivre que je vais lui voler tout de suite après. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Bon, adieu les fils de pute, niquez tous vos mères. Ok. Bouef, 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 ça me choque des trucs comme ça. So, je disais tout à l'heure, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et le 13e au fond. So, voilà, 13 spawners. C'est quand même une bonne base, les amis, on est bien commencé. C'est quoi ça, c'ti? Qui c'est qui a fait ça? Bon, ben ça va être explosé, les amis. Vous avez... Oh, si j'ai une bonne idée. Venez, on va faire ça. On va juste checker dans le coffre, voir tous les coffres avant, et on va terminer l'épisode sur ça. Vous allez voir. Ça, c'est justement ce que j'avais besoin en plus. Coïncidence de la mort qui tue. So, à part la heal 1, bon, on s'en bat les couilles. Ça, par exemple, je veux bien. Bouteille d'XP, on s'en fout. Bouteille d'eau, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on aura besoin. Ça, c'est ça. Ok, ben, je vais chercher ce qu'on a de besoin, les amis, puis on va faire ça. So, dans quel coffre que c'est? Voilà. Voilà, 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 voilà. C'est où? Comment on fait pour aller là? Ah oui, c'est là. Non! La TNT, elle a descendu jusqu'en bas. Oh oh. Oh oh. Lul. Je pensais pas que la TNT, elle a descendu jusqu'en bas. C'est juste du P1, on s'en fout. Ah là 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 là. Oh là là là. Trop drôle ce petit icône, hein. Vous pouvez pas tester, les amis. Trop d'humour à moi. Comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et comme ça. Et comme ça. Je vais quand même garder les pseudos pour faire des MMG. Et là, je vais reprendre mes escaliers qui étaient là. Aimer ça, aimer ça, aimer ça. On va casser la plateforme qu'il y a là.
Il y a quelques escaliers qui sont cassés là, les amis. Mais avec les escaliers qu'on va récupérer, ça dérangera pas. On va le refaire. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre-là? Des bouteilles d'eau. Wouhou! On va attendre qu'il dépop. Voilà. Voilà, là on va aller là. Casser ça. Casser tous les escaliers. Voilà. Et vous, là. Et vous, là. Et voilà. Et puis on va juste lancer tout ça comme ça. Voilà. Ensuite, on va aller réparer le toit. Et puis on va se laisser ici, les amis, pour ce je sais plus combien de d'épisode, les amis. Je suis rendu tellement à combien à beaucoup que je peux plus m'en souvenir. J'ai une mémoire de ouf, mais bon. Voilà. Là, on va remettre le coffre qui était là. On va prendre toutes les potions qui étaient là. On va les lancer. Tac, tac, tac. On va remettre le coffre qui était là. Et il n'y a rien qui s'est passé. Personne ne le saura. À part personne. Voilà. Par vous qui regardez cette vidéo. So, on s'en bat les couilles. On va juste remettre les escaliers en mode wannabe. Tac, tac, tac. Oh shit. J'aurais pu me faire baiser. Tac, tac, tac. Et puis là, on va faire un jump de la mort qui tue. Tac, tac. On va essayer de. Checker bien ça, checker ça, checker ça. Vous êtes prêts? Oui! Vous avez vu ce jump, les amis? C'était tout calculé. C'était tout calculé comme Ben Laden a calculé de faire exploser le World Trade Center en 2011. So voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, les amis. On se. Ouch. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Icon, le Pikachu de l'Internet. Laissez un pouce bleu. Bisous, bisous.